Alors, l'histoire d'Aquitaire continue. Tentez votre chance avec Johnson, alors qu'une mission de sauvetage à grande échelle est lancée. Après que le médecin entre dans une nouvelle. Et terrifiante région du Dark Ether. Affronter la troisième faille. Euh, un paysage vide, éthéré, abrite des horreurs. Euh, induisant la folie, y compris une nouvelle et diabolique variante disciple. Ok, une variante de disciple. Peut-être un... Ouais, je sais pas. Peut-être un disciple euh, électrifié aussi, j'en sais rien. Fournissez un appui à Ravnov. Et trouvez le docteur Jensen avant qu'elle ne soit consumée par les ténèbres. Ah, ben bah on, on va enfin la revoir. Let's go. Déchis et schéma de la saison 3. Débloquer des nouveaux... Des niveaux, pardon, de prestige pour accueillir... Pour acquérir des défis zombies et rassembler trois nouveaux schémas pour vous aider à progresser. Notamment un moyen de vous déguiser parmi les mercenaires. Deadwire, vos armes explosives et de survivre au gaz. Deadwire, c'est câble à Vos armes explosives et, au et survivre au gaz. Il y aura un truc... Euh... Déguisé parmi les mercenaires, ça, ça me fait, ça me rappelle le Demz les gars, avec le déguisement, ce qu'on connu. Si vous vous rappelez, incroyable, incroyable. Ensuite le Warlord, le Remaker, ce psychopathe lourdement blindé fait pleuvoir des tirs d'artillerie et a un peu de respect pour ses propres forces, bien que son complexe soit facile à atteindre. Marcher sur l'île avec les membres toujours attachés peut s'avérer plus difficile. L'île de Ra'a. Ah, une force inconnue perturbe la tête, étroitement roulée autour du dock. Ava Johnson. le docteur a été attiré dans une nouvelle région de l'éther noir. Cette influence maligne. Les équipes d'intervention et de l'équipe d'Elbolt ont convergé pour aider Sergei Ravnov alors qu'il tente de localiser et de sauver le docteur Johnson de l'inconnu. Votre expertise pour survivre et échapper à l'éther noir est requise. Le moment est venu d'explorer une nouvelle partie du Dark Eater et de sauver le docteur Johnson et de se préparer pour une autre chasse au Dark Eater Gate. Quête de déverrouillage supplémentaire. Une troisième faille et bien plus encore, hein. mi-saison. Cette troisième faille de l'éther est tout aussi désagréable que les deux précédentes. Attendez-vous à une série d'objectifs de déverrouiller, accès sur la recherche et l'harmonisation de plusieurs reliques permettant l'accès à la porte. Bon, bah ça va être encore la même chose. Hein. Putain, vraiment, c'est. Waouh, zéro effort quoi. Accomplissez ces tâches pour entrer dans le paysage vide éthéré et affronter les horreurs terrifiantes qui s'y cachent. Réclamant de précieuses récompenses si vous survivez. Précieuses récompenses, on sait très bien qu'à chaque fois c'est nul y a rien c'est en gros c'est les nouvelles récompenses quoi les nouveaux schémas euh, les nouveaux objets faites équipe et aidez l'opération Deadbolt à continuer à contenir l'assaut des morts vivants naturellement euh, vous êtes également ici pour réaliser des activités des contrats découvrir des secrets obscurs et sécuriser des schémas hautement classifiés des secrets obscurs oh on aurait des teaser eggs <laughs> donc les nouveaux schémas Deadwire Detonator. Deadwire Detonator, c'est. À mon avis, c'est une. Ah putain, vous savez le massacreur et le mimic là, qui électrocute là, qui envoie des ondes, qui électrocute. Je pense que c'est ça. C'est la même chose. C'est un truc que tu poses et ça va électrocuter pendant quelques temps euh, la zone et stun les zombies. Je vois bien ça comme ça. Le Golden. Golden Mask Filter, donc euh, le masque en or. Voilà, il va être plus costaud, j'imagine. Et le sergent berrette. Oh, attendez, on a des infos, on va voir. Débloquer de nouveaux défis de cartes de prestige. À chaque niveau de prestige, atteint et sélectionné jusqu'à 5 défis à suivre, y compris ceux du jeu. Défis de camouflage, avec 4 nouvelles armes. Plus d'une dizaine de nouveaux défis de camouflage uniques. L'arme de mêlée Gladiator. Plusieurs camouflages uniques, le BAL 27, le FGX Horus, un pistolet mitrailleur, et le Morse, le sniper. Nouveau schéma de plus, certains schémas hautement classifiés se trouvent dans des endroits euh, surnoisement secrets. Ok, ça c'est intéressant ça. Tous disponibles en fonction de votre succès pendant la faille. Hmm. Détonateur, dédoyeur, schéma. Vous êtes toujours choqué par les dégâts électriques impressionnants infligés par le module à ammo. Ensuite, vous devrez peut-être utiliser le détonateur, dédoyeur et l'attacher à toutes vos armes explosives, y compris les létales et les lanceurs. C'est un genre de mode munition qu'on peut mettre sur, euh, sur euh, bah, par exemple, des lanceurs ou des grenades, tout ça. Et en fait, ça va tout simplement faire les dégâts de la grenade plus les dégâts de câble euh, HS. Est-ce que c'est ouf Honnêtement, je pense pas. Euh, le masque en or, un schéma prisé avec une teinte brillante et un effet incroyable. Impressionnant et durable. Obtenez un masque à gaz auto-régénérant, régénérant. Pour le reste du match, cela s'avère extrêmement pratique pour survivre aux forteresses zombies et aux surprises dans les failles. Ça peut être cool et Pour griller l'arme, ça va être plus simple hein, du coup. Hein. Avec ce masque, t'auras même pas besoin de le recharger. Béret du sergent. Vos résultats n'ont plus besoin d'être terminés lorsque vous avez affaire aux mercenaires de Zakaev. Enfilez simplement le béret de sergent pour vous déguiser parmi les mercenaires et invoquer un fidèle garde du corps mercenaire qui vous suivra jusqu'au bout. Bon, bah c'est cool. Hein. Bon, C'est le déguisement de, de DMZ quoi. Hein. Le béret du sergent. C'est cool. mais bah, Après, bon, c'est juste quelques ajouts. Hein. Ça fait pas de, toujours pas de rejouabilité. Hein. Ça, c'est le Rainmaker, le nouveau euh, Warlord, le nouveau chef de guerre. Une prudence supplémentaire est recommandée lors des opérations. Euh, dans la partie sud de la zone d'exclusion d'Urghzistan, car le seigneur de guerre Rainmaker a réquisitionné et a considérablement amélioré les défenses de sa forteresse sur l'île de Ra'a de l'autre côté de l'eau. Du manoir de Shaheen. C'est en bas à droite, ça, il me semble. Hein. Comme son nom l'indique, en bas à droite de la map, hein. ce seigneur de guerre est un expert en artillerie, en démolition. Et bien que son île soit relativement facile à atteindre, mettre le pied sur l'île avec les membres toujours attachés peut s'avérer plus difficile. Attendez-vous à ce que des obus de mortier et des tirs de RPG s'abattent sur votre équipe. Incroyable. Les manœuvres d'assaut étant rendues encore plus difficiles en raison de l'eau entourant le repère du Rainmaker. Un transport rapide est recommandé. Et une fois débarqué, essayez d'ignorer le chaos et de vous concentrer sur la forteresse. Les forces de Rainmaker sont inutilisables et il aime presque sacrifier ses propres hommes pour éliminer les intrus. Ok, ok, ok. Il y aura des trucs suicidaires sûrement. Une fois la forteresse percée, ralentissez votre progression car l'enceinte regorge de fils piégés et de pièges. Marcher sur une mine à ce stade serait malheureux. <laughs> ok, il y a plein plein de pièges quoi. C'est un genre de legacy. Préparez-vous ensuite à changer votre plan de jeu une fois que vous aurez enfin coincé Rainmaker. Il est capable de mauvaises surprises auxquelles vous ne vous attendez pas. A à voir, à voir. Bon, en vrai, il parle beaucoup. Il y a beaucoup de blabla. Mais en gros, il y a juste un nouveau portail du coup, avec des nouveaux objets récupérés pour créer la nouvelle zone. On aura la zone 8 du coup. Et peut-être une zone 9. Qui sait mais En tout cas une zone 8 sûre avec un nouveau warlord et puis voilà quoi. Et trois nouveaux schémas dans cette nouvelle zone et ce sera Azarqua hydroélectrique. Voilà pour les infos. C'est tout entre guillemets et c'est en saison rechargée. De toute façon les gars il y a plus rien et, et ils galéreront à chaque fois. Et à chaque fois vous avez vu je vous l'avais dit à hein, chaque fois le contenu sera en saison rechargée, Je me suis pas trompé. En fait je me trompe jamais. Je vous l'avais dit ils vont nous mettre à chaque fois une nouvelle mission, des nouveaux schémas et en saison chargée. Bah, regardez c'est ce qui arrive. Et un warlord aussi je l'avais dit. Et en fait, y a aucune surprise, y a rien d'autre. Y a rien d'autre. Après, t'as les défis de prestige comme d'hab, et puis bah voilà quoi. Le contenu est pauvre, mais bon, c'est comme à chaque fois. Ce sera bien pour une soirée, le temps d'une soirée, et puis voilà. En tous les cas, il euh, y aura jamais de rejouabilité. Ils changeront jamais le mode, ils modifieront jamais. Il y aura jamais de rejouabilité. Il juste du contenu consommable, et une fois qu'il est consommé, bah y a plus.